Alors, si ça vous ennuie pas, exceptionnellement, je vais enregistrer en fait cette notre séance de ce matin. Je pense que le sujet s'y prête, puisque matin on va aborder en fait la pratique méditative telle que nous à notre niveau en fait on peut le faire. Voilà, donc si vous êtes OK, ben vous gardez votre image. Si vous n'êtes pas OK, vous avez tout à fait la possibilité de couper l'image. On va faire un petit tour, une petite inclusion. Moi, ce qui m'intéresserait, en quelques mots, peut-être en lien avec notre sujet, c'est que vous évoquiez votre pratique à vous, si vous en avez une, votre manière en fait de méditer, de vous recentrer, voilà, en quelques mots. Et puis, on va commencer par l'écran. En haut à droite, Annie. Bonjour à tous. Bon, je suis ravie de vous retrouver. Je disais à ceux qui étaient présents, je m'étais un peu absentée. Ça représente un peu ma façon de méditer, c'est-à-dire que je ne suis pas très assidue. Je sens que je suis beaucoup plus à l'aise en collectif que toute seule. Et du coup, ma façon la plus régulière, j'utilise l'appli Petit Bambou pour faire, je dirais, deux, trois séances la semaine. Et sinon, je fais un peu de cohérence cardiaque tous les jours. Voilà. Merci beaucoup Annie. Alors après, j'ai Florent. Salut Florent. Salut, bonjour à tous. Alors moi, ma pratique, elle est plutôt absolument pas régulière. J'ai jamais très bien fait la différence entre la relaxation, la cohérence cardiaque, la méditation. Pour moi, c'est un espace et un moment à moi. Je le fais surtout quand je vais moins bien, quand je suis dans le dur, et beaucoup moins quand je vais bien. Il faudrait que j'arrive à le pratiquer plus régulièrement. Voilà. Mais sinon, j'essaie de le faire quand je peux. Merci beaucoup, Florent. Tina, en haut à gauche. Alors, moi, je suis sophrologue, donc caïssédienne, et donc au 12e degré, on en pratique. Et là, en ce moment, je suis en formation de professorat de yoga, et donc je le travaille comme on me dit de le travailler à l'école. Donc, en fait, je me laisse guider un peu. Voilà. Alors, si je change de carré magique, j'ai Martine. Bonjour. Bonjour, Martine. Alors, moi, je suis super bricoleuse là-dessus. Je suis un peu comme Annie. J'ai besoin du collectif. Je ne sais pas pourquoi. Ça me porte bien. Et donc, quand je dis je suis bricoleuse, c'est que je fais du yoga. Et voilà, une fois dans la semaine. Et puis, pour le reste, ça dépend. Ça dépend. Je n'ai aucune régularité. Merci Martine. Après, j'ai l'homme au crayon, Michel. Voilà, je pensais que c'était moi. En fait, je n'ai pas vraiment de réponse à ta question. Effectivement, je ne sais pas trop. J'ai suivi, assisté à toutes sortes de techniques, d'écoles, d'expériences. Mais en fait, j'en arrive à dire, je ne sais pas quand je médite ou quand je ne médite pas. En fait, je suis souvent centré dans mes pensées, mais voilà, donc je n'adhère pas à une école, un courant, je suis très ouvert à tout ce qui existe. Merci beaucoup, Michel. Juliette. Alors, Juliette, il faut que tu mettes ton micro. Alors, là, ça marche? Là, ça marche. Ok. Bonjour à chacune et chacun. Principalement, ma méditation, c'est pendant des temps de centrage lors de mes animations de groupe en communication non violente. Voilà, c'est à peu près deux fois par semaine. Merci voilà. Juliette. Kabeya. Bien, bonjour à tous d'abord. Bien, ma méditation, elle est, alors on va dire, quotidienne et puis assidue. Parce que pour moi, quand je me lève le matin, ben, je me dis, tiens, il va falloir que je sois en cohérence avec moi-même. Ça me permet de calmer déjà mon intérieur
et d'avoir une clarté dans la journée. Et c'est pendant ma méditation, à la limite, que je repasse un peu en revue ma journée. Et puis, j'ai des textes que j'ai lus aussi. Et sinon, dans la journée aussi, il y a des moments où je m'arrête 5 ou 10 minutes, tout simplement, pour me recentrer sur moi-même. Voilà un peu ma pratique. Elle est quotidienne et elle date de longtemps. Merci, Kaveya. Caroline. Oui, bonjour à tous. Pour moi, la méditation, c'est vraiment quand je nage, quand je suis dans l'eau. C'est cette sensation de... Enfin, voilà, ce bien-être qui fait partie, qui est présent dès que je suis dans l'eau. Et puis... c'est aussi quand lors des séances que j'anime, des séances de relaxation que j'anime, j'amène les personnes à se sentir dans l'eau, à se détendre, à souffler, et je ressens cette relaxation aussi à ce moment-là. Donc ça dépend du nombre de séances qu'il peut y avoir dans la semaine. Voilà. Merci Caroline. Avec plaisir. Alors, sous Caroline, dans un autre carré magique, j'ai Elsa. Alors, il faut que tu mettes ton micro. Ça y est. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Elsa. Alors, j'étais un peu en retard. Les enfants ont réveillé. La question, c'était à quel moment on médite, c'est ça ? Ouais, quelle est ta pratique méditative, comme ça en quelques mots ? Si tu en as une. En fait, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où je suis assez zen et où là, j'arrive à penser à méditer. Puis, il y a des périodes où c'est un peu le volcan à l'intérieur de moi et où je ne le fais pas du tout. Donc, c'est un lien de cause à effet, c'est certain. Mais du coup, il y a des périodes où les pensées sont tellement chamboulées et actives qu'on s'en oublie soi-même. C'est un peu la période et c'est un peu pour ça que tu m'as réveillée, en fait. Merci Elsa. Sabine. Bonjour Sabine. Salut à tous. Moi aussi je suis à la bourre comme Elsa. Moi j'ai un petit rituel, j'appelle ça mon yoga bonsaï. C'est 5 minutes le matin. Et ça m'aide à être dans mon corps et puis à me retrouver pas loin du saut du lit, on va dire. Et pour moi, la méditation, elle est vraiment associée à me retrouver dans mon corps et dans toutes les parties de mon corps. Donc, je l'associe aussi beaucoup à d'autres pratiques que j'ai, notamment le Son Mudo que j'ai découvert il y a peu. Voilà. Merci beaucoup Sabine. Alors maintenant on va en Suisse. Nicolas. Bonjour à vous. Alors moi c'est l'essence. Comme ce matin je me suis réveillé, je suis allé sur ma terrasse et puis on a fait les foins dans l'entourage là. Puis il y a cette odeur d'herbe coupée. C'est par exemple un petit moment de méditatif, de travailler avec l'odorat, avec l'humidité du matin. Alors voilà, pendant la période de beau temps et pendant l'été, c'est ma pratique journalière, c'est ce petit quart d'heure, cette petite demi-heure à l'extérieur, à respirer, humer, ressentir l'humidité de l'air. Voilà, sinon je suis pas très bon dans m'asseoir sur un coussin et puis plonger dans mon intérieur là. Je suis vite inconfortable dans ce genre de pratique là. Merci Nicolas. Alors comme le carré est volant, et bien là le carré se dirige vers la Belgique. Martina. Bonjour. Bonjour Martina. Alors, je médite à peu près tous les matins et quand ma fille va s'endormir, pour la sieste, quoi, donc début d'après-midi,
Moi, ce que je fais, ce que je commence toujours par faire, c'est vraiment juste rentrer dans cette observation où le mental est au calme, où je suis un peu dans le néant comme ça. Et là, en fonction de ce qui se présente, bien, je suis amenée à me connecter à la terre, au ciel et à rentrer dans mon cœur, ou simplement à rester là et à rien faire. Et voilà. Merci beaucoup, Martina. Alors, tiens, telle fille, telle mère, Claudia ? Faut que tu mettes ton micro, Claudia. Je viens d'arriver, bonjour. Alors, la question, c'était en quelques mots votre pratique méditative, si vous en avez une. Ah oui, ah ben, j'en ai plein. Mais c'est vrai que ce que j'aime faire le matin, c'est il y a deux choses. La première, c'est le toucher en conscience. Donc, avant de me lever, juste mettre mes mains et voir comment je sens avec mes mains la présence dans différentes parties de mon corps. Oui, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc, c'est à la fois sentir ma main sur moi, mais c'est aussi c'est un toucher autonomique pour être présente avec moi-même, sentir un moment aussi de présence simple. Et puis, je me lève, je prends ma douche. Et là, je ne l'ai pas fait parce que c'était un peu short, comme je dirais, un peu court dans le temps, mais... je range un tout petit peu des petites choses et avant de commencer mon petit déjeuner, j'aime bien me poser, m'asseoir et juste être dans l'instant présent. Si je sens que mon esprit est beaucoup dispersé, je vais ramener mon esprit à l'intérieur de moi, c'est-à-dire parfois quand on prend sa douche, il y a plein de pensées qui passent. Et alors, je dis, oh là là, une pensée enchaîne l'autre un peu trop vite, là. Donc, je dois ralentir. Alors, pour me ralentir, il faut que je ramène le petit chiot, le petit chien, quoi, dans sa niche. Voilà. Donc, je me dis, je me ramène à l'intérieur. Et je garde cette intention en essayant d'être centré sur les sensations corporelles à l'intérieur de moi. Et puis, à partir de là, accueillir la présence dans mon souffle. Et puis, ressentir la connexion avec la terre, le ciel, et dégager de moi tout ce qui vient perturber aussi. Donc ça, c'est une pratique de base, pour le matin. J'aime bien faire ça le soir aussi. Et entre-temps, dans la journée, quand j'ai l'occasion, je fais des pratiques avec les solides de Platon ou avec les arbres, ou simplement rester là. Merci beaucoup, Claudia. Alors, je vais remonter un tout petit peu et j'ai Véronique. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, moi, comme Annie, en fait, j'ai commencé la pratique avec Petit Bambou il y a 2-3 ans. Et comme j'accrochais plutôt bien, j'ai fait un stage en fait de méditation pleine conscience de 8 semaines. Donc ça date à peu près d'un an et demi. Après, je pratiquais tous les jours, jusqu'à le matin, 45 minutes, ou le soir. Après, il y a eu un moment où je l'ai moins fait et du coup, j'allais moins bien. J'avais cette contrainte de 45 minutes qui normalement est l'horaire et que je m'étais fixée et je voulais faire un peu bon élève. Donc j'ai revu en fait ces règles-là et j'ai adapté en fait à moi mes contraintes pour trouver cet espace. Et je pratique tous les jours et le week-end dernier par exemple c'était une piqûre de rappel journée pleine conscience. Donc c'est de la pratique formelle mais c'est aussi de la pratique pendant que je cuisine, pendant que je suis à l'extérieur. Et je fais du tai chi et du qigong. Merci beaucoup, Véronique. Voilà. Alors après, j'ai Patrick Andy Warhol. Eh oui, en effet, j'ai
configuré il y a quelques temps ce fond d'écran et suite aux mises à jour de Zoom, etc., impossible de m'en débarrasser. En tout cas, je ne pense pas entre deux, c'est bien moi. Depuis trois ans, en fait, ce que je fais, deux ans et demi, en fait, je ne médite pas tout à fait, mais je fais de la cohérence cardiaque, parce que ça, c'est très efficace. Quand je dis que je ne médite pas tout à fait, c'est que la cohérence cardiaque se focalise. L'objectif de la cohérence cardiaque, c'est le physiologique. Alors après, effectivement, en fonction de ce qu'on fait au niveau du mental, si on se concentre sur une vidéo et de la musique, on a également un effet de recentrage mental, comme dans la méditation, mais la cohérence cardiaque, elle vise avant tout à atteindre essentiellement l'aspect physiologique, diminution du cholestérol, enfin régulation des signaux cardiaques. Et je fais ça tous les matins, surtout quand je vais au travail, parce que et ça dure, je crois, en fait, ça dure 5 minutes. Et autrement, ce que je fais, c'est que j'essaye d'aller dans la nature, enfin dans la nature proche, et surtout dans le vert, dans les endroits où il y a des grands arbres, ou alors au bord des cours d'eau. Et bon, je peux passer beaucoup de temps à me recentrer comme ça. La nature est importante. Enfin, pour moi, c'est les arbres. Donc, comme j'habite près du parc de Compense-Caffarelli, je vais souvent là-bas. Voilà, je rejoins un peu ce que disait Nicolas tout à l'heure, c'est qu'effectivement, en ce moment, c'est un festival d'odeurs. Merci Patrick. À ta droite, j'ai une main tendue avec Florence. Bonjour à tous. Et toutes. Je suis un peu en retard, comme d'hab, 7 heures, c'est dur. Alors, ça commence, moi, dans mon lit, parce que la méditation, ça commence déjà par revenir à l'intérieur de moi. Je me réhabille, mon esprit revient dans mon corps, donc je re-rentre dans mon corps physique. De la tête jusqu'aux pieds. Allongée jusqu'à ce que je sente mes doigts de pied. Et je me suis rendu compte que quand je posais les pieds après avoir fait ça, ben ça allait vachement mieux. Mais je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment la première prise de conscience de cet accord subtil du corps et de l'esprit. Pour moi, c'est voilà, ce premier... premier réaccord après avoir été que dans l'esprit, le rêve, voilà, en dehors de la matière. J'ai fait pas mal de méditations avec Shambhala, j'ai fait plusieurs stages avec Erin Rockwell, avec plein de méditants. Je médite aussi avec mon tambour parfois. Je fais des méditations. Je médite quand j'épluche mes légumes en remerciant la nature d'avoir produit ces légumes. Je médite en faisant la cuisine, en mettant de l'amour dans ce que je fais, en promenant mon chien le matin. Voilà. C'est rentré dans un quotidien, en fait. Il y a la pratique, parfois formelle, de se poser, d'asseoir sur un coussin, sur une chaise, de suivre ma respiration, mais de plus en plus, en fait, c'est tout le temps. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Oui, c'est ça, c'est un peu tout le temps maintenant. Merci Florence. Alors, après, j'ai Kujo Edem, s'il est avec nous. Je ne sais pas s'il est là, je le vois affiché. Oui. Kujo Edem, salut. Bonjour. Bon, Naré, je n'ai pas la vidéo aujourd'hui parce que j'ai eu à changer l'ordinateur le temps que je vais mettre en place. Alors, je suis arrivé un peu en retard. Un peu comme Elsa, il fallait réveiller le petit.
Donc, je prends tout, je prends là le fil. Hein. Si j'ai bien compris, c'est ma pratique méditative de la semaine. Ta pratique méditative en général, si tu en as une qui est installée. D'accord. Alors, c'est que je suis un peu, comme je l'ai plus ou moins toujours dit, j'apprends et je mets en pratique. Et c'est vrai que depuis 2015, j'ai eu un accident en allant au boulot. Et à l'issue de cet accident, bon, je me suis dit, bon, il faut vraiment que tu t'arrêtes, que tu commences à réfléchir un peu, trouver voilà, comment est-ce que tu peux être plus présent. Et donc, j'ai commencé à lire les bouquins. Il y en a plein partout. Et il y a un bouquin qui m'a beaucoup aidé, c'est « Le rituel du matin » de Arnold. Et quand je me suis mis à le pratiquer, j'en avais pour 2 heures. Ce qui m'obligeait à me lever un peu plus tôt le matin, vers 4 heures. À 4 heures du matin, il fallait être debout pour pouvoir appliquer tout ce qui était dans le bouquin. Puis, j'ai découvert un ami qui faisait la cohérence cardiaque. Et donc là, ben, j'ai rajouté à cette pratique. Puis, entre-temps, j'ai découvert la princesse du désert avec qui j'ai eu à travailler, qui m'a appris des techniques de yoga. Et là aussi, je suis venu rajouter à ça. Ce qui fait qu'au final, je me retrouve à peu près à 2h30 de séance le matin, ce qui fait beaucoup. Donc, il a fallu que je trouve un moyen de pouvoir optimiser tout ça. Et ça fait partie un peu de mon travail de tous les jours, qui est l'optimisation. Et en observant la façon dont tout ça se mettait en harmonie, ben, j'ai décidé de le mettre en pratique sur le sport, puisque je suis plutôt passionné par le sport. Et donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je vais plutôt aller courir, environ une demi-heure. Et quand je rentre, en fait, la cohérence cardiaque, je le fais en courant. Le yoga, je le fais pendant l'étirement. Et du coup, en fait, ça fait que en espace d'une heure, j'aurais fait mon rituel. Et ce, avec l'étirement, et voilà, tout ça, ça tient en une heure, au lieu de 2h30. Donc voilà comment est-ce qu'aujourd'hui j'ai instauré, on va dire, la méditation et le bien-être. En tout cas, voilà, ce que moi j'appelle la méditation, le bien-être au quotidien, à travers le footing au matin, l'étirement et tout ça, combiné avec la respiration, la cohérence cardiaque. Et puis, c'est juste être présent, réfléchir un peu, et c'est tout. Kujo Edem, je pense que tu es consultant en optimisation, c'est ça? C'est ça. merci à toi. Alors, est-ce que parmi vous, il y en a qui n'ont pas pris la parole, qui souhaiteraient rajouter en fait quelques éléments sur leur pratique de méditation? Alors, ce qui est intéressant en fait dans tout ce que vous avez dit, c'est que finalement, on a, je pense, une synthèse pratiquement exhaustive de ce que peut être en fait la méditation. Moi, j'ai pris des notes et je vais me contenter en fait de les balayer. Voilà. Et puis, je crois que tout à l'heure, on essaiera aussi de faire une petite méditation ensemble, que je vous proposerai. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous avez évoqué, c'est cette idée en fait de est-ce que qu'on pouvait le faire en groupe ou qu'on pouvait le faire seul, et que l'énergie en fait entre le faire en groupe et le faire seul n'était pas la même. C'est vrai que lorsqu'on médite dans son jardin à côté de sa mare, comme moi je peux le faire tous les jours, et lorsqu'on médite en fait en groupe, eh ben on ressent pas la même chose. On ne se connecte pas de la même manière. Vous avez évoqué aussi des mots comme relaxation, cohérence cardiaque, méditation, et certains ont dit j'ai peut-être du mal finalement à faire la différence entre tout ça. Alors moi, je vous en propose une, mais c'est vraiment la mienne, et puis c'est aussi, je veux dire, ce que j'ai compris de ce que vous avez évoqué. La relaxation, il s'agit de laisser, on va dire, tomber son stress. Il s'agit de se détendre. Voilà, il s'agit de,
de reprendre peut-être des forces, de se ressourcer. Dans la méditation, il y a quelque chose qui est de l'ordre de laisser aller et puis d'essayer de faire qu'on ait moins de pensées. Et que petit à petit, il y a une espèce d'alignement qui se fasse entre le corps, le cœur, l'esprit, pour non pas ne plus avoir de pensées, mais faire que tout doucement, ces pensées, un peu comme des nuages dans un ciel bleu, soient de moins en moins nombreuses. Donc on va dire que la relaxation, c'est agir sur le corps, le cœur, et puis, la méditation, c'est essayer d'agir finalement sur les trois. Voilà, c'est peut-être simpliste, hein, je pense qu'il y a certainement des gens qui ont d'autres définitions, peut-être que vous pourrez les donner après. Mais à vous entendre, c'est ce que j'ai envie de poser. Et bien entendu, vous pouvez réagir sur le tchatch. Hein. La question qui se pose aussi à vous entendre, est-ce que voilà, il y avait cette idée d'assidu, il y avait cette idée de rituel ou au contraire de le faire quand ça ne va pas. Alors, moi je pense que, et ça a été évoqué par Kujo Edem notamment et par d'autres, ce qui est intéressant avec la méditation, c'est d'essayer de la pratiquer quand ça va. Et d'acquérir en fait, d'engrammer, d'intégrer en fait cette pratique quand ça va, parce que quand ça ne va pas, le problème, c'est que c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus difficile si on n'a pas quelque chose qui a été intégré, on va dire, d'un point de vue physiologique et mental. Et c'est plus facile, en fait, de le ressortir à ce moment-là, quand on est dans un petit coup de blues, une déprime, et parce qu'on a cette discipline. Donc, c'est vrai qu'avec l'idée de méditation, et là aussi, on pourra en reparler peut-être, ou vous pouvez même réagir dans le chat. Ce qui est intéressant, c'est la question en fait de la discipline et de la régularité. La question du moment, alors c'est intéressant parce que pour avoir testé des tas de moments dans la journée, le matin, le midi, le soir, même la nuit, au cours d'insomnie, mais déjà arrêté de méditer, c'est pas la même chose. Voilà. Et moi, j'ai un moment, et je pense que chez vous, peut-être c'est peut-être différent ou pas. Moi, mon moment privilégié, c'est vraiment en fait le matin. Le matin, il y a cette espèce de. Je pense que c'est peut-être parce que on sort du sommeil, que le cerveau est encore sur des ondes peu actives, et on a cette facilité. Enfin, j'ai cette facilité à me reconnecter, à m'aligner, et puis pour le coup, à être en connexion avec ce qui m'entoure, ma mare, les arbres, les oiseaux qui se réveillent. Et puis pendant 25 ou 30 minutes, à pouvoir m'asseoir sur un coussin, tout simplement. Et puis là, laisser aller et moins penser. Et puis peut-être même se connecter, comme ça a été évoqué très très bien par Martina à un moment donné, le cœur, les éléments et d'autres choses. Alors, je regarde mes notes. Ah, oui, il y avait une chose qui était intéressante, qui a été évoquée par Claudia, c'était, j'ai bien aimé ton expression, le toucher en conscience, en fait, quand tu, à un moment donné, tu poses la main sur quelque chose, et puis que tu te connectes d'une certaine manière à cette chose en pleine conscience. Et là, c'est intéressant parce qu'effectivement, on est en train d'aborder aussi une autre chose, qui est la question, en fait, de la pleine conscience. Et je différencierais un petit peu, peut-être, la méditation de la pleine conscience. La méditation, il y a une espèce d'action volontaire à essayer de se mettre en position de s'asseoir ou pas, d'ailleurs parce qu'on peut méditer en marchant, mais de calmer vraiment en fait l'esprit. Et puis la pleine conscience, c'est une action qui consiste au contraire à se relier en fait à l'instant présent de manière extrêmement consciente aux objets, à la nature. Voilà. Et je pense que en même temps, on peut aussi faire les deux, mais on peut aussi ou être en pleine conscience dans la journée, par exemple, quand on conduit, ou dans le métro, ou ailleurs, ou bien, effectivement, avoir une action orientée plus vers cette idée en fait, de méditation, et parfois même en méditant, en se déconnectant un petit peu de l'environnement. Moi, j'ai médité dans le RER à Paris. C'est très intéressant, en fait.
Il y a la question de la pratique formelle et informelle aussi qui a été évoquée. La pratique formelle, cette discipline qu'on va se donner en fait de manière régulière à certains moments de la journée, de se mettre en action, de méditer. Cette pratique informelle, au contraire, où on va se prendre en fait un moment parce qu'on en a besoin, 2 minutes, 3 minutes, avant une action, avant une prise de parole ou autre chose, pour pouvoir se recentrer corps, cœur, esprit. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Puis là, je regarde en même temps le chat. Qu'est-ce qui nous est dit? Alors quelqu'un dit, il est préférable. Donc c'est Tina qui dit, il est préférable d'éviter la méditation proprement dite lorsqu'on n'est pas bien. C'est vrai que pour avoir en fait lu un certain nombre de choses, on peut évoquer le fait que la méditation ou la pleine conscience ne serait pas forcément top de le commencer, par exemple, dans une phase de dépression. Ça pourrait même peut-être aggraver les choses. Claudia dit, c'est important aussi de créer un espace-temps régulier où on le fait. Cette fameuse discipline, en fait, qui justement permet de se situer dans une continuité, notamment quand les choses ne vont pas, plutôt que de commencer quand ça ne va pas. Annie nous dit, j'aime bien l'image de la boule à neige pour la méditation, clarifier, déposer et s'alléger des pensées. Véronique, c'est un entraînement, le faire quand on va bien, c'est être prêt quand on l'est moins. C'est joli ça. Claudia, un de mes maîtres taoïstes, explique que la méditation permet de développer l'énergie spirituelle qui nous habite. Je rejoins assez ça. Je pense que pour moi, la méditation, dans mon évolution personnelle, ça a été un peu comme Alice au Pays des Merveilles. Ça a été de passer de l'autre côté. Alors, je ne suis pas encore capable dans ma maturité, dans mon expérience, de dire ce que c'est que cet autre côté. Mais en tout cas, maintenant, je sais qu'il existe. Véronique, je ne l'ai pas mentionné, mais en début de confinement, j'ai découvert la méditation de la calligraphie du Tao. Super. Alors, moi, j'ai pris quelques livres avec moi qui m'ont pas mal inspiré. Bon, il y a tous les livres, en fait, de Thich Nhat Hanh que je trouve très intéressants parce qu'ils sont très courts. Si je prends le « Commencer à méditer » dans la collection Pocket, c'est un petit livre qui fait 90 pages, mais il y a plein de dessins. Donc, moi, j'aime bien les dessins parce que ça me parle beaucoup plus, en fait, que l'écrit. Voilà, un petit dessin, pour moi, vaut mieux qu'un grand message écrit compliqué. Mais c'est pour moi. Il y a que j'ai découvert grâce à un de mes mentors qui s'appelle Michel Giffard. Un jour, il m'a parlé de Eckhart Tolle. Voilà, et donc je me suis mis à lire Eckhart Tolle, très intéressant. Et notamment, celui que j'ai sous les yeux, c'est L'art du calme intérieur. Un livre de sagesse qui nous ramène à l'essentiel, tout un programme. Dans les livres qui m'ont marqué pour avoir fréquenté un peu le centre Vajra Yogini, qui est un centre de bouddhisme tibétain qui est à Lavore, à côté de Toulouse. Ils ont édité en fait quelques petits livres, ce qu'ils appellent la libre sagesse aux éditions Vajra Yogini, justement. Il y a par exemple de Lama Yeche, faites de votre esprit un océan. Voilà. Déjà, rien que le titre est extrêmement nourrissant. Et puis le pape de la méditation en France, qui vaut lui reconnaître ça, c'est que ça fait au moins 30 ans en fait qu'il est sur le sujet. Christophe André, et son livre qui s'appelle « Méditer jour après jour ». Voilà. N'hésitez pas à en mettre dans le chat aussi, hein, si vous avez des conseils de lecture. Alors, il est 7h34. Ce que je voudrais vous proposer, peut-être, c'est justement, avant de se quitter, parce que parler de la méditation et ne pas le faire, à mon avis, il manquerait quelque chose. Moi, je voudrais vous proposer en fait une petite pratique méditative, pardon, qui est la mienne et qui me permet moi de me relier en fait aux éléments minéraux, qui est la méditation du caillou. Alors, bien entendu, vous avez compris que pour faire la méditation du caillou, il faut un caillou. Mais je pense que ça pourrait marcher qu'un crayon. Si tu n'as jamais parlé à ton crayon, c'est le moment. Donc, la méditation du caillou, donc il vous faut un petit caillou. Donc, je vous laisse quelques secondes peut-être pour aller chercher un caillou ou un objet en fait avec lequel vous avez envie de vous connecter. Vous mettre confortable. Hein, ça peut être. Alors, moi, je me suis rehaussé sur mon siège parce que j'aime bien avoir le bassin très haut.
Donc, je me suis mis sous les fesses mon coussin de méditation. Ça me permet d'avoir, comme j'ai du mal à me tenir droit, d'avoir en fait le dos beaucoup plus droit en relevant le bassin. Voilà. Et puis, vous avez votre caillou à la main. Alors, pour ceux qui me connaissent un tout petit peu, vous savez que j'ai une affection toute particulière pour le sphinx d'Égypte et pour sa position. Sa position qui est absolument incroyable. Michel, tu te rends compte que le sphinx en Égypte, il tient cette position depuis des milliers d'années, le gars. Hein ? Donc, si le sphinx en Égypte le fait, toi, Michel, tu peux le faire aussi. Donc, en fait, la position du sphinx, c'est cette position extrêmement droite, avec les mains, les pattes devant vous, peut-être, sur vos genoux ou sur votre table, si vous êtes à une table. Et puis, les pieds bien en dessous, si vous êtes assis, les pieds bien en dessous des genoux. Voilà. Et puis, quand vous remontez, vous avez le bassin aussi qui est bien aligné. Puis vous remontez, vous avez la colonne vertébrale. Alors, Thich Nhat Hanh a cette très jolie image. Il dit, en fait, votre colonne vertébrale, c'est comme un tas de pièces d'or. Et vous imaginez qu'en haut de ce tas de pièces d'or, il y a votre tête qui est en équilibre. Imaginez peut-être ce tas de pièces d'or qui est votre colonne vertébrale avec en haut, dans un équilibre, on va dire à la fois fragile et solide parce qu'il faut que ça tienne, votre tête. Alors vous pouvez mettre un tout petit coup de menton en arrière, voilà, pour bien aligner en fait l'arrière de votre tête sur le bas de votre dos, le mieux possible. Les mains sont posées. Et puis là, dans cette position qui est à la fois en équilibre, efficace, dynamique, aligné, peut-être avoir trois grandes inspirations, expirations. Voilà, en permettant à l'air de circuler depuis vos pieds jusqu'au sommet de la tête et inversement. Et puis peut-être, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est prendre votre caillou dans votre main gauche ou votre main droite, ou l'objet que vous avez choisi de prendre, et puis le laisser reposer simplement, au creux de votre main, au centre de votre main, sans le serrer, juste en le posant. Et comme l'a évoqué Claudia tout à l'heure, prendre conscience simplement de la présence de ce caillou qui est posé au creux de votre main. Focalisez votre esprit sur la présence de ce caillou. Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est rugueux? Est-ce que de l'énergie? Est-ce qu'il y a de la lumière? Voilà, autant de questions que vous souhaitez vous poser sur ce caillou qui repose dans le creux de votre main. Et puis avec la main qui est libre, avec le bout d'un doigt, vous pouvez délicatement rouler ce caillou au fond de votre main, juste du bout du doigt, le rouler sur votre main, le faire glisser. Et là, prendre conscience que ce caillou, eh bien, il a des formes. Même s'il semble rond, il est imparfait, ou au contraire parfait, peut-être. Il y a des angles. Vous sentez ces formes dans le creux de votre main et au bout du doigt avec lequel vous tournez ce caillou. Là aussi, permettez à votre esprit d'être centré uniquement sur ce caillou qui tourne dans le creux de votre main. Puis ce que je vous propose, c'est peut-être très délicatement de poser votre main libre sur votre main qui contient le caillou. Et là, de reformer les deux mains sur ce caillou. Un
peu comme si vous aviez les mains en prière, tout en sentant la présence de ce caillou. Je propose de prendre conscience de l'histoire, du parcours de ce caillou. Ce caillou que vous avez dans la main, il a une histoire. Ça fait des milliers d'années, peut-être, qu'il s'est détaché d'une falaise beaucoup plus grande que lui, beaucoup plus grande que vous. Peut-être qu'il est tombé dans la mer, peut-être qu'il est tombé dans un fleuve, que c'était un rocher immense qui s'est cassé, brisé, il y a des milliers d'années, pour devenir ce caillou entre vos mains. Puis ce caillou a voyagé peut-être. Il a traversé des rivières, il a traversé des mers. Il s'est échoué sur des plages, sur des grèves. Et puis peut-être que ce caillou a déjà été pris par des dizaines, des centaines de mains, comme vous, comme la vôtre. Peut-être que quelqu'un a déjà médité sur ce caillou. Et ce que je vous propose, c'est de laisser s'éloigner ma voix et simplement de poser votre esprit sur ce caillou, entre vos mains, pendant quelques minutes. De respirer sur ce caillou, de respirer avec ce caillou. Plus doucement, je propose d'à nouveau faire tourner ce caillou dans votre main, de prendre contact avec ce caillou, de le faire rouler, de toucher votre main en même temps que vous touchez le caillou, de prendre conscience de vos pieds sur le sol, de prendre conscience de votre respiration, tout en continuant à rouler ce caillou entre vos mains. De bouger vos bras, prendre conscience de vos bras qui bougent en roulant le caillou.
puis tout doucement, si vous avez fermé les yeux, les ouvrir. De remercier ce caillou, ou ce crayon, Michel, qui vous a fait passer un moment. Voilà. Puis peut-être que ce caillou, vous pouvez le garder. Vous ne le verrez plus jamais de la même manière. Vous avez une relation privilégiée avec un caillou à présent. Voilà. Alors, il est 7h46. Pour ceux qui souhaitent y aller, on a 6 minutes de retard. J'en suis désolé. On se reverra la semaine prochaine. S'il y en a qui souhaitent échanger encore quelques instants pour un petit retour, un feedback complémentaire, j'ai vu que Patrick avait mis une petite photo. Voilà. Vous n'hésitez pas à remettre vos micros. Et puis, les autres, je vous souhaite une excellente journée, un super week-end. Faites pas trop d'abus. Voilà, éclatez-vous quand même. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous. Et puis, on peut poursuivre pour les autres, si vous le souhaitez. Merci, au revoir. Merci, bon week-end. Merci, bon week-end. Au revoir. Merci pour ces bons moments de réflexion. Bye. Merci pour le clin d'œil d'Obélix avec son menhir. Merci à vous.